Gali Blanc, bonjour, au plaisir de vous dire au matin. Bonjour Bichara, bonjour à tout auditeur, internaute qui a suivi l'émission au matin. Merci un peu, Edgar Leblanc, parce que vous répondez de façon favorable à l'invitation pour matin, qui me dit, Mounio, que, bah, va passer un peu de temps, avec vous, puisque vous gagnez rendez-vous avec, l'autre radio, même sur certaines balles passées, en 15 minutes quand même ensemble, sur certaines abgates à épuiser, question, hein. On dit, pouvoir en place ça, prendre décision pour que, vous fait intervenir une force, militaire étrangère, en d'un pays, hein. Raison que vous avancez pour que vous fait ça, vous évoquez une crise humanitaire, vous développez, vous posez problème et à choléra qui retourne, question carburant que vous pas arrivé à traverser, reprise d'activité économique, vous parlez également de la réouverture des classes. En quoi Edgar Leblanc pensait que raison ça a justifié une intervention militaire jeudi en Haïti? Son réalité qu'il a, ok, gagne un pays anti-coupé, gagne un gang qui a piégé l'espace capital, gagne un monde qui a mouru, gagne un monde qui a vécu dans la peur. Et puis maintenant, on gagne une question gasoline, non, question diesel, qui n'a pas gagné kérosène, qui fait qu'on y a activité bloquée. Et en plus de ça, l'hôpital commence qu'on y a là à pas recevoir faire intervention, t'as dû faire. Radio, etc. Son réalité qu'il a. Ouais. Réalité ça, il faut adresser lui immédiatement. Il y a plusieurs façons pour adresser lui. Ok? Ouais. Arrêté que le gouvernement est sorti depuis 6 octobre, OPL n'a communiqué officiel les dispositions. OPL pas d'accord avec intervention militaire dans le pays. Pour des raisons que lui expliquer, nous connaissons. Ouais. Il y a presque 25 ans là, côté que nous avons une mission étrangère sous toute forme, nous avons intervention soldats étrangers, l'armée étrangère qui viennent là, etc. Et ça n'a pas permis de résoudre le problème qui, je vous le dis, a venu plus aggravé. Ensuite, ce n'est pas une opération militaire seulement qui peut répondre à ça nous gagne là comme insécurité criminelle. Là. D'accord, il demande une présence de l'État dans une zone qui a produit jeunes, ok, désespérés, jeunes bandits, ça y est. Et puis ensuite, tout rester en présence de l'État qui peut, à travers le cadre juridique, policière, et qui peut bloquer le monde qui a financé ou qui a facilité pour que ça puisse régler propre activité. Ouais. Cependant, nous tendons crier le monde, ça y est, qui a vécu dans la peur, qui ont même, qui a une handicap mourir même à cause de l'intervention bandio et eux-mêmes, ils ont besoin rapidement là, comme Gadoula, ils ont besoin d'un espace pour vivre, ils ont besoin d'un espace pour être capable de circuler sans la peur, en sécurité. Eux-mêmes, qui je ne parle pas, c'est pas ça le problème, les dirigeants doivent trouver la solution et les dirigeants politiques d'abord. C'est ça que fait nous-mêmes. Nous disons que il y a un bagage qui pour faire et qui est préalable pour t'assurer réussite, quel que soit type d'opération du terrain qui t'a fait par quelques voies que tu as fait, parce que il y a trois moyens pour faire opération de terrain, opération de sécurité, ça, ou bien j'ai un gouvernement Mandela, étranger qui vient là, qui vient mettre la paix, mettre l'ordre, mettre sécurité. Ou bien engager des mercenaires, ok, c'est-à-dire qui sous commande et direction pour voir en place là, engager des mercenaires pour répondre. Ou bien les forces publiques internes du pays d'Haïti, etc., que décision politique pour courir le pouls fait que vous êtes capable de répondre, etc. Bon, petit camp pour Edgar Leblanc. Il y a deux monde qui pensent que nous avons besoin d'un niveau interne. Bah, on insiste avec pouvoir ça, de la mesure où ils ont montré quelque part, ils ont dépassé par les événements, raison très simple. Pour les mêmes, l'ILA, depuis un an, pour voir ça là, pour les mêmes, perdurer, et ils n'ont pas jamais arrivé à adresser de façon satisfaisante, qui vient faire que, mounio, en pile dans mounio, je dis, c'est vrai que l'idée parti politique, ils ont opposé à la question pour que l'intervention en l'État faite. Mais, est-ce qu'on est au niveau population, c'est une des pragmatiques, en pile dans le monde, ça reprend blâme, comme si Mdadou, c'est des messieurs qui ont bien là, et qui ont bien résolu le problème, c'est eux qui sauvent, parce que sur le plan interne, nous va arriver qu'à unir nous pour que nous proposions une solution. Deuxièmement, sur le plan externe, Edgar Leblanc,
nous va jamais arriver qu'à gérer pression internationale la fait sur nous, nous va gérer de façon convenable pour moun yo, eh bien c'est blanc pour venir pour que yo résout problème là. Moi regrette vraiment et que ou t'es arrêté parce que quelle que soit décision qui prend qui met en pratique là pour faire opération de terrain, hein, ouais. Okay, que c'est intervention étrangère, que c'est mercenariat, que c'est force publique intérieure, quel que soit, il y a un préalable pour le réussir. Ouais. Le préalable, là, c'est d'adouler cadre politique. Ou le cadre politique. Et ça fait que, même dans le communiqué au PL sortir, et puis nous dit, il y a une urgence, l'État en pile, mais pas trop ça, ouais. Pour que responsable politique, premièrement, et ensuite, responsable dans la société civile, dans le secteur économique, okay, pour que y arrive à un compromis minimum sur cette question, notamment okay, pour connaître comment donc la prendre décision de manière à ce que, quel que soit ça, taille, mais position pas nous, et la vie sous ça pour qui ça, ouais. Que c'est avec force interne pour nous faire, et là, backup politique là. Force que senti côté société, hein, l'idéal, etc., ok, a fait que yo gagné les capacités, d'autant que y a défendu propre cause par yo, propre famille par yo même, ok, honneur, tout ça ouvré, ouais. Pour mettre la donne avec les garanties que yo gagne tout le support technique, matériel, logistique, mais aussi psychologique, qui derrière lui. Et nous, Kabouen, hein, comment l'opération qui t'a faite de temps là, dans l'espace Kwa de Bouquet, comment qu'à un certain moment, la population a commencé, d'ado, pas la population Kwa de Bouquet, mais plus large, bravo pour les policiers. Mais avec quoi? Avec un grain de chat, etc. Et ça qui a gagné là. Ça, moi-même. Maintenant, on nous garde. Force interne qui là, ok? Nous ne connaissons pas effectivement, d'ado là, combien il y a en termes d'effectifs, ni d'agrément à temps bien combattre. Ce sont les informations que personnellement, je cherche auprès de cadres de force police, là, notamment, disent que ils sont capables de répondre à ça. Mais cependant, ils ont besoin non seulement d'avoir l'équipement pour le faire, mais ils ont besoin surtout de la décision, la détermination politique. Depuis un an, l'IPAC fait. Tout le monde le sait. Pour voir qu'il a, l'IPAD prend les dispositions, l'IPAD veut résoudre. Pour des raisons multiples, mais particulièrement, il a dit des raisons d'ordre de calcul politique pour que l'IPAD reste là plus longtemps. Si demain, il va faire élection, etc., il y a bon contrôle pour que nous fassions passe dans l'élection. Nous obligés, soudain, devant l'IPAD, monde ça qui a souffri, qui a mouru, activité qui bloquée, etc., dépasser calcul ça yo, prend la décision avec les conséquences que voine prend pour faire opération de terrain pour aller bien pour plus devant. Parce que c'est pas seulement venir là dans la craser et bandit libérer espace ça, mais après il faut que déjà c'est jeter base pour que présente l'État dans espace ça yo. Parce que quartier populaire dans zone de ville très qui dit concentration ça y est, mais un petit peu dans l'espérant, parce qu'on commence à gagner dans l'espérant, pour répondre à besoin de base à Mounio, pour le sentir que bien encadrement au côté fait, ou chef bandit, pas une yon bon papa, dans le temps à Moun côté Lyo, même si Mounio dans la feuille, mais quand même tout, c'est au même tout qui a Bayo au minimum. Donc, élément ça y est, c'est pas une force de yon qui vient agir comme ça. D'autant plus. Pour question force de yon, nous fait expérience là. Nous fait expérience là, ok, pendant trop longtemps. Ah. Je veux dire, c'est une décision, disposition qui fait que nous absorbons de façon durable, de façon pérenne. Et c'est ça que fait. L'appel que nous avons fait il y a peut-être deux jours ou trois jours, c'est demander parce que beaucoup trop tard. Pourquoi toi pas demander à ce que notamment responsables politiques, forces politiques, eux-mêmes, ils joignent minimum, chita ça, recherche ça et minimum de compromis qui a fait que décision qu'a pris pour corriger force publique, nous, interne, etc., pour faire face là, pour faire, ils prennent,
mais il gagne suivi la dame. Avant que nous regardions qui sorte de résistance nous a offert, dans la mesure où pouvoir lui-même l'équipe des décisions, puisque demande là est déjà formulée, bon, regardez avec une réaction en pile monde qui était venu gagner par rapport à la question. Il y a des gens qui pensaient que pouvoir en place ça, étant donné que dans la tête en pile monde, c'est une sorte de troisième version de BHDK, ils ont maintenant tête que n'y a aucun moyen pour que ils reprennent pouvoir encore, mais comme ils n'ont pas aucun moyen pour reprendre pouvoir, ils ont décidé de livrer la stratégie ça, en ce sens que ils ont fait blanc et envahi le pays plutôt, au lieu pour que ils ont baillé pouvoir. Qui côté ou même où situe par rapport à la logique ça? Je ne parle pas de mettre dans la supposition. Et, mais pour qui ça, ça clair au fait ça, etc. Ok? Mm-hmm. Maintenant que vous prenez cette décision, ok? Cependant, il y a des préalables, ok? Qui te doués établis et qui pas établis. Comment les troupes étrangères, nous faisons expérience déjà, hein? Comment les troupes étrangères viennent là, qui ont venu agir sans que, avant, ça n'a pas été établi? D'où est bon mémorandum? Et d'autant plus que vous demandez rapidement, hein? Rapidement. D'autres deux hommes qui pourraient dire règles d'engagement qui gagnent l'équipe Stakabdin là au commandement pour qui ça y a venu effectivement. Ok, deuxièmement, conditions de désengagement qui l'œil après le quitter y a fini rempli mission. Yo, ok, et ça qui a fait qui montrait que la dame. Troisièmement, rapport entre militaires ça au cabine là, soldats ça au cabine là qui sont étrangers avec la police nationale, la force armée d'Haïti qui l'a en priorité, la force interne, qui rapporte qu'il y a bien, pour que pour ne pas assister, même humiliation que nous avons qui s'est passée, okay, première fois que nous avons venu, et après un coup d'État qui s'est fait là. Ouais. Ensuite, procédure de contrôle, de conformité acte que nous avons posé avec mission que nous avons gagné. Et puis, devant qui juridiction, si jamais tu as des dérives qui sont faites là, devant qui juridiction, etc., ou capable, nous avons réglé. Regardez ça pratique avec le ministère dans le cadre de la choléra. Ça, c'est des préalables qui doivent gagner, qui pour faire dans la société en connaît, mais pour voir tout qui là, tout lui-même, ok, lui gagner, nous avons recours au cas où tu as gagné, nous avons bagaille qui passe et qui passe. Mais ça, on va même poser même. Donc, ça, c'est des conditions pour faire quel que soit. D'intervention, d'agrément réussi dans le sens que l'hypothèse amélioration pour la population, pas seulement qu'on est là, immédiat, et puis après faire élection, mais par la suite, ou capable de gagner voix pour nous renforcer plus, ni force police nous, ni force armée nous, et sortir désormais pour ne pas retourner dans ça encore. Ouais, tout à fait. C'est là, moi, je pense. Ouais, tout à fait. C'est là, moi, je pense que la nécessité, l'urgence, ok, l'urgence, pour que nous, moins commencer des contacts au niveau du secteur politique là et quelques acteurs dans la société civile, pour que rapidement, etc., nous garder et puis nous joindre le compromis minimum qui qu'a fait par rapport à problème ça, question ça. Il était là depuis longtemps, mais je voulais vous dire, il est arrivé dans phase, au fait que il y a à diviser davantage en société là, pendant que il y a un monde qui a mouru. Avec internet qui a côté nous là, il y a été tendu peut-être un message qui a circulé avant hier côté que des monde qui coincés dans un corridor en haut la boule, etc., qui voyaient au SOS parce que des bandits qui étaient attaqués la boule après ça qui a attaqué au commissariat Thomas. Vous entendez là, on est de la peur. Côté où là, il y a besoin d'une intervention qui pour bah, sécurité, il n'y a pas besoin qu'on ait qui bon sorti. Ouais, donc, ouais. Il y a une responsabilité qui pour qu'on ait que, bon, urgence là, il faut agir. Mais lorsque on agit comme ça, eh bien, il faut agir tout, dans une anticipation de sous conséquences, action par poser et puis ça qui va le sortir. Donc, voilà donc pourquoi moi-même, je pense que, il faut donc que nous gardions les bagages là, dans perspective, yo, nan ça nous voulons pour payer à demain, pour ne pas retourner encore là. Et ce n'est pas intervention force étrangère qui a fait ça. Nous allons refaire, mais. Oui, nous allons refaire, mais, Edgar Leblanc, puisque donc on a gagné et on a l'autre rendez-vous. Il y a deux mondes qui pensaient que par rapport à la résistance, nous avons offert par rapport à ça, nous avons gagné là, puisque de toute façon, demande la défaite, c'est vrai que il y a l'étude.
Il y a des gens qui pensent qu'il faut que nous ayons une sorte de un réveil patriotique par rapport à sa cabine. Et il y a des gens qui allaient plus loin, qui disent chaque haïtien t'a supposé un caco, si par exemple la force militaire t'a intervenu en Haïti. Ou même qui ont pensé que nous t'a au fond résistance par rapport à ça. Bonjour. Moi-même, toujours un baron en termes de prévention. Ouais, demande l'enquête, etc. L'ONU a annoncé que le 21 octobre a gagné aux réunions pour discuter de ça. Et comment l'ONU a souhaité c'est dans le venir, mais là, dans l'ONU, nous connaissons les contradictions qui viennent aujourd'hui dans l'ONU. Il y a une chance tout pour que pas une résolution qui nous prendre ces questions. Mais, autre chose, nos zones là, c'est-à-dire dans gros bois, gros chef là, c'est les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, les démocrates qui ont dirigé les États-Unis d'Amérique, ils ont bien un défi là, sinon, quelques 3-4 semaines, c'est-à-dire les élections de mi-temps aux États-Unis. Ils ont très prudent là, ok? Et même, quoi que, décision paillon à la goutte après. Et donc, ça va nous le temps, et c'est pas pour moi, je dis, d'aguette, j'aime qu'on réagit souvent, non? En contact que bon du bon. Non! Ça va nous le temps pour nous rencontrer, joindre, nous minimum de compromis, je le répète, ok, compromis, je le répète, qui fait que, ou gagner, ni responsable, dans la société civile, dans le secteur économique, politique, etc., ni reste population qui derrière, nous avons compromis ça, et qui fait donc, là, il a dit, barrage à, si tu as une volonté de l'extérieur, pour venir aider malgré nous-mêmes, vous comprenez, mais parce qu'en dedans, il y a des acteurs, il y a des gens qui ont intérêt là dans ça, tout, soit politique, soit économique, et puis qui t'a souhaité, qui a travaillé pour ça. Donc, que chaque individu vienne au CACO, écoute, si vous n'avez pas gagné une direction politique, un cadre défini, etc., chaque grand monde va dire qu'on s'attaque, il peut prendre un chef, il peut prendre les amis qu'il a gagné lui-même, etc., il peut aller. Non. Et puis, nous, comme responsables, nous ne pouvons pas quitter que c'est comme ça pour nous à réagir. Nous devons assumer le rôle de responsable, ok, et faire en sorte que définir cadre de protection des gens, de protection en citoyens, mais aussi de protection de la République que nous avons là-dedans. Ouais. Merci, Abil, Edgar Leblanc. Merci pour ce temps, puisque nous connaissons et honorer l'autre engagement de guerre pour madame. Bonne journée.